Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va parler de Reece James qui pourrait très bientôt rejoindre le Real Madrid. Alors les frérots, dans cette vidéo, on va voir les dernières informations et aussi le prix fixé pour Reece James. Si vous venez de découvrir la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo, je vise là-bas des 5000 abonnés. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. On est parti. Après Antonio Rudiger, un autre joueur de Chelsea pourrait rejoindre le Real Madrid. En effet, Reece James serait dans le viseur du club espagnol pour le mercato estival 2022. Selon Sky Sports, les dirigeants espagnols auraient déjà approché l'entourage du joueur pour sonder sa volonté ou pas de quitter son club formateur l'été prochain. Ces derniers sont décidés à exploiter le flou actuel qui règne chez les Blues en raison de la vente de Chelsea qui n'est toujours pas finalisée. Le Real Madrid fait partie d'une liste de clubs européens qui ont rapproché Reece James ces dernières semaines pour évoquer la possibilité d'un transfert, mais le club espagnol avancerait en effet ses pions en prévision du mercato estival 2023, indique le média britannique. Reste à savoir si le joueur lui-même a envie de quitter son club formateur au moment où il revient dans les petits papiers de son manager Thomas Tuchel. Sous contrat jusqu'en juin 2025, le natif de Londres est âgé de 22 ans et valorisé 55 millions d'euros. Cette saison, il compte 33 apparitions sur le maillot de Chelsea, toutes compétitions confondues. Il a inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives. Alors, Reece James au Real Madrid, ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore officiel, mais ce serait peut-être dans les jours à venir parce que justement, le Real Madrid est intéressé par le joueur. Alors, je donne mon avis. Reece James au Real Madrid, c'est une très bonne idée parce que justement, avant, on voyait un Real Madrid avec une défense un peu moins bonne. Je pense, dès la venue de Reece James, on a déjà Antonio Rudiger qui est un nouveau joueur du Real Madrid. Alors, je pense, dès la venue de Reece James, il pourrait beaucoup apporter au Real Madrid en défense et aussi marquer des buts, marquer plus de buts. Ce serait bon ni pour le Real Madrid et aussi pour Reece James parce que justement, il va venir au Real Madrid marquer, gagner des titres et tout, ce qu'il ne pourrait pas faire à Chelsea. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Real Madrid est le meilleur club du monde. Gagner des titres avec le Real Madrid, il n'y a pas des choses plus beaux dans ce monde que gagner des titres avec le Real Madrid. Alors les frérots, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous attendez tous Reece James comme le troisième recrue du Real Madrid? N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.